retrouve pour un petit débrief, celui du match Paris Saint-Germain FCMS au Parc des Princes. À l'heure où je vous parle, le FCMS est mené 1-0, on est à la mi-temps. Plutôt bon match des Grenats. Le seul but qu'il y a eu, c'est un but assez beau, on va pas se mentir, de Thiago Silva à la 27e minute, hein, sur corner. Il la frappe bien de la tête. Franchement, très 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 beau but. Maintenant, c'est au Messin d'essayer d'exister davantage en attaque, parce qu'en défense, on n'a pas vraiment grand-chose à se reprocher. Tous les joueurs, ils sont là, ils portent leur maillot avec fierté. Je le vois sur eux. Hein, ils se mouillent à fond. Ils courent un peu après le ballon. Mais au moins, ils essayent. Et pour ça, merci, merci, merci. Hein. En plus, Hinschberger, il décide d'enfin faire un 4-4-2. Bon, il a toujours pas titularisé Erling. Mais il n'a pas mis Till. Il n'a pas mis Reviérrez. Ça va beaucoup mieux. Fallait pour mon excellent match. Milan, ça va. Bon, déjà averti par un carton jaune pour une petite faute sur un joueur du PSG. Mais c'est pas ce qui compte le plus pour le moment. Pour le moment, c'est quoi? C'est que Metz gagne. Ou au moins arrache le match nul et fasse douter Paris. Parce que une grosse équipe, si elle doute, elle est vulnérable. Ça, c'est moi qui vous le dis, les gars. Alors, restez toujours fidèles au Draoli. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième période. Le débrief, du moins, de la deuxième période. A tout de fin suite. du match. 2-0. But à la 72e minute de Silva. Très bon match d'ensemble. Tout le monde a bien joué. À part ça, je sais pas quoi dire. À part que les joueurs ont fait un match très sérieux. Donc, merci les gars de nous avoir fait vivre ça. Merci à tous de regarder cette vidéo. C'était Nono Jonas.